Pierre adopté, promulgué, non publié. Puisque le communiqué annonçant la promulgation a dit que on fera le test au journal officiel. C'est ça, non? Et est-ce qu'un communiqué a besoin de dire ça? C'est parce que c'est bizarre. On verra le test à... Ça fait plus d'une semaine, non? N'est-ce pas? Le test n'est pas publié au journal officiel. Et nous essayons tout le temps de vérifier la publication au journal officiel. Nous ne parlons pas de ça pour une raison que nous n'avons pas parlé. Nous avons parlé de, dans le test, deux fois, de la Constitution. C'est-à-dire, nous avons dit, tout ce qui s'est passé là, c'est une voie de contournement de la limitation du mandat. Voie de contournement de la limitation du mandat. Et je vous garantis, c'est-à-dire, quand nous disons les choses, il faut nous suivre. Ceux qui ont procédé à l'interview du candidat Jean-Pierre Farr à la sortie des bureaux de vote, j'ai prononcé une phrase. J'ai dit, quelle que soit l'issue du scrutin, nous ne le laisserons jamais, jamais passer cette histoire de changement de constitution. Donc nous sommes sûrs de nous, je vous dis. Si je vous dis, nous c'est vous, vous allez dire ça, encore eux, parce que non, ce n'est pas eux. Je connais le parti dans lequel je suis. Je sais pourquoi nous faisons la politique. Ce n'est pas pour rester esclave du... d'une dynastie ou quelque chose comme ça. Non, on continue d'accord. La concertation entre nous, de l'opposition, à ce sujet, ça ne finira pas jusqu'à ce qu'il le dégage. On ne va pas laisser quelqu'un se lever un matin et se dire « J'ai une ruse. J'ai une ruse pour contourner la limitation du mandat et je change la constitution. » Non. Ça, on ne laissera rien passer. Et on va s'organiser pour ça. On est en train. Donc, on n'abandonne pas les petites choses qui entourent. Je suis désolé d'appeler ça les petites choses, parce que la grande chose, c'est le contournement elle-même, et lui-même, la manœuvre de contournement elle-même. Donc, non. Je veux qu'ils sachent qu'on ne les laissera jamais en paix avec ça. Mais il faut qu'ils le sachent. Monsieur Fognacibé ne va pas se lever un jour avec les admirateurs et surtout admiratrices et puis dire nous avons changé de constitution en violation de toutes les dispositions de la constitution elle-même, article 52, article 59. Article 144 relatif à quoi? Non, pas à l'intérim ou de ou, non, à la vacance, non. Relatif à quoi? Relatif à l'état d'urgence. C'est écrit dans la Constitution, non? Qu'on ne peut pas modifier la Constitution en période d'état d'urgence. Est-ce que nous sommes, oui ou non, en période d'état d'urgence? Oui ou non? Nous sommes en période d'état d'urgence. Ils l'ont même renouvelé il n'y a pas longtemps. Oui ou non? Mais tout le monde lit ça dans la Constitution. C'est une disposition de l'article 144. Moi, je ne veux pas parler de vacances de pouvoir, rien. Article 144, état d'urgence. C'est écrit qu'on ne peut pas modifier, réviser la Constitution en période d'état d'urgence. Donc, c'est flagrant devant nous. Nous ne sommes pas des illettrés. Peut-être, parmi eux, où nous sommes des illettrés, mais nous essayons qu'on respecte notre intelligence. Voilà. Nous voulons qu'on respecte notre intelligence.
les réflexions que ça suscite, c'est très simple. Une guerre est fâchée avec l'éthique. C'est la population, elle, voit une guerre agir. C'est comme ça que les RPT agissaient. Briseurs de vie, ils ont tué, chassé les gens et tout. Après, ils ont changé de nom pour tomber. Et j'ai toujours dit, qu'est-ce que j'ai toujours dit? Le serpent qui change de peau ne devient pas un lézard. C'est la même chose. Unir et RPT. Pourquoi nous avons adopté RPT Unir? Pourquoi? Je sais que ça les énerve, mais moi on ne dira jamais Unir. On dit RPT Unir, on l'écrit. Ils nous ont dit à l'Assemblée que pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas un seul parti autour de vous qui s'appelle RPT Unir. Mais nous, nous savons que c'est RPT Unir. Ils sont dans la continuité d'Unir. Du RPT. Donc, la réflexion, c'est qu'ils ne changeront jamais. Vous voyez, ils vont finir par donner raison, Monsieur Kalem, donner raison à ceux qui font quoi? Non, à ceux qui pensent qu'il y a d'autres moyens de les chasser de là. C'est vrai ou c'est faux? Ils vont finir par donner raison à ceux qui se disent « Ah, aller aux élections, ça ne fait rien, ça n'apporte rien, il y a d'autres méthodes. » Donc, à la question, je réponds, ils vont finir par donner raison à ceux qui pensent que d'autres méthodes plus rapides existent. Alors, est-ce qu'il y aura des manifestations? Est-ce qu'il y aura des... Il y aura des... Nous allons leur pourrir la vie. Non, c'est trop facile. Un monsieur se lève un matin et dit, j'ai trouvé le moyen de rester au pouvoir. Je deviens... président du conseil. Je suis le président du parti qui va gagner les élections. Et puis c'est tout. Je suis là. Il n'y a pas de limitation du mandat. Je suis tranquille. Et on va le laisser. Il n'y a plus d'élection présidentielle. Et nous allons le laisser là-bas. Il a rêvé en couleur. C'est simple, il est arrivé en couleur, c'est ce qu'on pense. Il sait qu'on ne va pas le laisser. Nous, on n'est pas des gens, ceux qui sont autour là. Ils sont autour, ils acclament les idées bidons. Parce qu'il y a un parti qui est adossé, qui a une particularité. Quelle est la particularité? Dieu m'est venu adossé à l'armée. Il y a un roi qui peut tout faire? Non. Il y a un dossier à la main. La main derrière, il est là. Je suis fort. Non. Et c'est ce qu'on pense de ça. On a dit, hey, écoutez, le 15 mars à la conférence de Brest ici, on a dit, il y a des gens qui dans la vie sont aiment ou bien, ça ne leur fait rien d'être esclave. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter qu'on les traite en esclaves. On n'est pas là pour être. On va manger du sable, du gaz. Mais on ne va pas se laisser faire. Alors, manifestation, ah, il y aura toutes sortes de manifestations. Hein? On ne va pas. Je suppose que la Constitution, malgré le traitement qui est fait aujourd'hui, ou le sort qui est réservé
aux manifestations, nous n'allons pas laisser ça. C'est pas possible. Nous sommes la risée du monde. Est-ce que vous le savez ça? Le Togo est la risée du monde. Tout le monde se moque de nous. C'est simple. Peut-être que vous nous dites, ah, nous sommes des journalistes. Ah non? Mais vous êtes aussi des Togolais. Et comme Togolais, vous êtes aussi comme vous, la risée du monde. Avant de laisser la parole à M. Dupuy pour compléter, ça dit quelque chose. C'est, ouais, là je suis libre, pas. Personne ne me dit, ne me foule dans la gorge. Mais lorsque nous sommes invités sur les radios, on voit le traitement réservé aux représentants du pouvoir et on voit le traitement qui nous est réservé. Vous n'avez pas fini votre phrase. Le journaliste vous vole dans la gorge. C'est vrai ou c'est vous? Vous savez, j'ai vu la dernière fois. C'était même pas moi, quelqu'un de l'AMC. C'était M. Jean Vissi. C'est dommage que M. Chitas, à Kakoto, ne soit pas là. Que j'allais lui dire qu'il fallait laisser M. Kissi parler. Comme ça, après, on lui répond. Mais empêcher, on a l'impression que ce que nous voulons, ce que nous nous apprêtons à dire, est anticipé. Et on dit, ah, attention, il m'a dit quelque chose de très grave. Donc, il faut. Non. Je souhaite, je propose que quand nous sommes invités sur les radios, qu'on n'a pas à lutter pour dire ce qu'on a à dire. C'est très difficile.